La RSE et le développement durable sont des sujets sur lesquels la CFE-CGC monte en puissance progressivement, avec l'ambition de devenir une référence. Au cours de la mandature, nous avons tout d'abord voulu structurer notre pensée sur ces sujets. Un groupe de travail collaboratif s'est réuni pendant pratiquement toute la mandature et a produit notre document de référence en la matière ressources de demain pour un monde durable. Il s'agit, sur près de 70 pages, de la présentation par secteur d'activité des efforts et améliorations qui peuvent être réalisés pour préserver nos ressources, sans rien lâcher du progrès. Notre vision et nos convictions se sont également affirmées à la faveur des différentes sollicitations dont nous avons fait l'objet au cours du mandat. Contribution à la Convention citoyenne pour le climat, à la loi climat et résilience, écriture de nombreux articles et participation à des tables rondes. Notre vision... Nous avons également cherché à la faire connaître, à la disséminer le plus largement possible afin de devenir incontournable au sein des réseaux qui se créent sur ces nouveaux sujets. Nous avons donc noué des partenariats avec des acteurs de premier plan, Global Compact France, l'Office français de la biodiversité, le Comité 21, la plateforme RSE. Nous avons été tout particulièrement engagés sur la biodiversité en multipliant les actions phares telles que notre conférence débat, entreprises et biodiversité. Par ailleurs, première organisation syndicale à avoir adhéré en février 2018 au pacte mondial des Nations Unies, la CFECGC a réaffirmé son engagement aux 17 objectifs de développement durable avec sa nouvelle communication d'engagement 2022, mise en ligne en juin 2022 sur le site de l'ONU. Structurer notre pensée, la faire connaître, mais aussi convaincre les militants. Les imprégner de cette culture de la durabilité qui doit désormais être la nôtre, tel fut le troisième grand enjeu de la mandature. Pour cela, nous avons développé et diffusé de nombreux outils. Le mémo RSE, le guide sur les enjeux du dialogue environnemental en entreprise. Nous avons aussi constitué un réseau de référents et formé plusieurs centaines de militants sur ces problématiques.